La chanteuse Stéphanie Lapointe rentre tout juste d'un séjour d'un mois à Haïti. Objectif, témoigner de la difficile réalité de l'aide humanitaire et de la reconstruction. Elle a participé au tournage de 6 capsules Internet pour l'organisme Challenge Your World. Elle était accompagnée de Nicolas Lemay-Hébert, directeur de l'Observatoire sur les missions de la paix de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'UQAM. Je les ai rencontrés un peu plus tôt. Stéphanie Lapointe, Nicolas Lemay-Hébert, merci d'être avec nous ce soir, d'autant plus que vous êtes arrivés là, dans la nuit. Je vais commencer avec vous, Stéphanie. Est-ce que vous avez toujours la tête là-bas, finalement? Oui. J'avais eu une discussion avec Patrick Lagacé avant de partir. Il m'avait dit une chose, je ne sais pas si c'était une belle façon de le dire, mais il avait dit que c'est difficile de sortir Haïti de son corps une fois qu'on en revient. Puis ça a été une journée assez éprouvante, le retour. J'ai encore le cœur, la tête là-bas. Je pense que Nicolas éprouve la même chose. Même chose, oui. Qu'est-ce que vous espériez accomplir en allant faire ce voyage-là, ce projet de tournage de Capsule Haïti? En débutant la recherche avec Nicolas, le plus grand défi, je dirais en tout cas, auquel on a été confrontés, je dirais, c'est de choisir les sujets parce qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes, il y a tellement de débats à avoir autour de la reconstruction d'Haïti qu'en arrivant là-bas, j'avais l'impression qu'il y avait plus de sujets que ce qu'on avait le temps de traiter. Et on parlait tout à l'heure des conditions de tournage là-bas, c'est pas évident, donc c'était de faire un choix finalement. Et vous avez une grande complicité, là, qu'on sent dès qu'on s'assoit à parler avec vous. Pourquoi est-ce que c'était important de travailler avec un chercheur, avec quelqu'un qui connaît ça dans votre travail? Mais au départ, on devait être une équipe un peu plus réduite, puis on a eu l'idée d'impliquer Nicolas Lemay dans le projet parce que Nicolas a fait des études, notamment sur le Kosovo, sur le Timor oriental, sur la question de l'impact sur les sociétés locales. Et des interventions internationales. Et j'avais envie que Nicolas soit présent pour qu'il y ait une rigueur dans ce projet-là, parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont dites sur Haïti. C'est un pays qu'on connaissait peu ou presque pas, parce qu'on y était, sauf Nicolas, jamais allé auparavant. Donc l'idée d'avoir Nicolas avec nous, c'était d'approfondir la recherche de terrain. Et je présume que ça va faire deux regards différents. Vous n'étiez jamais allé à Haïti. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous êtes arrivé? Bien, évidemment, à première vue, c'est toujours, j'imagine, la même chose. C'est l'impact du séisme sur le pays. C'est partout. On s'est promené, on est allé à Léogan, on a visité Jacmel aussi. Je pense qu'on s'imagine pas, par rapport à ce qu'on peut voir à la télévision, on s'imagine pas à quel point ça peut être affecté. Les conditions de vie n'ont pas ou presque plus changé depuis le 12 janvier. Ça m'a frappée, mais ça m'a frappée aussi parce que nos tournages, on les a vécus de façon très humaine. Donc, avec les gens là-bas, j'ai eu l'impression de rencontrer des gens extrêmement forts. Puis ça peut paraître cliché de le dire, mais quand on se retrouve là-bas, c'est assez frappant. Et vous arrivez avec un regard davantage de chercheur. Quand vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a frappé? C'est drôle, c'est la même chose en fait que Stéphanie. Sérieusement, on peut être chercheur, mais on reste humain. Puis c'est très, très difficile, hein, les premiers temps, justement, d'essayer de garder une sorte de rigueur scientifique, de se dire qu'il faut choisir des sujets quand tout apparaît important à dire. Parce qu'il y a tellement de sujets, il y a tellement de choses qui se passent en Haïti, des bonnes, des moins bonnes choses. Donc, ça, c'est vraiment difficile. Puis en même temps, c'est ça qui était intéressant de travailler aussi avec Stéphanie, c'était de sortir un peu de la tour d'ivoire, puis de rentrer aussi du côté humain, du côté aussi artistique. Puis je pense que là-dessus, ça a fait une bonne équipe, puis oui. on a pu bien travailler là-dessus. Pas pour vous replonger dans cette tour d'ivoire-là, mais on compare parfois les défis de la reconstruction d'Haïti avec ceux qui ont eu lieu suite au tsunami. Les leçons, est-ce que c'est une comparaison qui est valable d'après vous, ou bien est-ce que les problèmes là-bas sont d'autant plus graves? Mais les problèmes d'Haïti sont comparables, d'une certaine façon, à des problèmes de bien d'autres pays. Hein. Les interventions internationales créent des logiques qui sont relativement comparables. Il faut toujours prendre en compte également la spécificité du contexte haïtien. Mais oui, vous mentionnez le tsunami, mais on pourrait également mentionner le Kosovo, le Timor oriental, hein, qui ont eu des taux de destruction d'infrastructures assez similaires. Au Kosovo, 60 % au Timor, jusqu'à 80 % 90 % dans certains cas. Donc, ce n'est pas la même cause, mais c'est la même situation. Donc, ça crée des mêmes logiques, les logiques de frustration de la part de la population locale qui se fait avec des attentes hyper élevées envers l'intervention internationale.
et des attentes qui sont souvent très difficiles à combler de la part des intervenants extérieurs. Justement, je sais que au lendemain immédiat du séisme, en janvier dernier, on parlait beaucoup de la résilience, du courage, de l'entraide des gens. J'ai des collègues qui sont allés pour souligner les 6 mois et disent que petit à petit, toute cette entraide-là commence à laisser la place à la tension, à la frustration, à la colère. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu, vous, ça? Mais il y avait Étienne Côté-Paluc qui travaille pour Le Devoir, qui a écrit un article sur cette question-là. Puis lui, je trouve, résumait bien la question. Il disait, dans les camps, c'est des lieux qui sont tellement restreints. Les gens sont collés les uns sur les autres, manquent de tout. Je pense que n'importe qui vivrait dans des conditions comme celle-là, ça cause une certaine forme de tension. Mais je pense que nous, on l'a pas vu quand on était dans les camps. C'est quelque chose que j'ai envie de démentir parce que on a travaillé énormément, par exemple à Pétionville, dans un des camps avec une petite fille. On a eu un petit événement, c'est presque rien. Puis à part ça, vraiment ça allait bien. Les gens étaient accueillants. Les gens, je pense que c'est aussi une façon de travailler comme journaliste. Il y a beaucoup de journalistes qui arrivent dans les camps, ils préviennent pas, ils sortent la caméra, il y a pas de respect pour la population. Alors qu'en travaillant par exemple avec Nicolas, lui, chaque fois qu'on arrivait dans un camp, il allait voir le chef de camp. Et là, ça créait vraiment une espèce de lien. Les gens avaient confiance. Puis l'idée, c'est de ne pas sortir les caméras. On n'était pas des chasseurs d'images. Fait que je pense que dans le respect. Oui, puis si je peux me permettre, comme a dit Stéphanie, on a l'impression aussi qu'il y a des petits incidents isolés, mais on essaie de monter ça un peu en boucle. Puis il faut quand même dire, c'est une situation extrêmement difficile dans laquelle la majorité d'Haïtiens se retrouvent maintenant. Dans des situations comme ça, c'est vraiment admirable, leur tolérance. Que ce soit pas pire que ça. Voilà. Donc, il faut aussi voir l'envers de la médaille, d'une certaine façon. Il y a tellement de reportages qui ont été faits sur Haïti depuis 6 mois, sur la vie, dans les camps, les écoles, etc. Est-ce que vous aviez peur de faire de la redite? Comment est-ce que vous avez essayer de contourner ce problème-là. Tu peux répondre? Non, vas-y. En fait, je pense que notre approche... j'avais peur. Puis je pense qu'il faut rester vigilant parce qu'on voulait avoir un projet singulier. Notre approche, ça a été de parler d'initiatives locales qui mériteraient d'être mieux connues, par exemple, pour être répétées ailleurs dans le pays. On s'est intéressé beaucoup à la question de l'impact des internationaux sur la population locale. Je pense que c'est un sujet qui mérite d'être questionné, traité, sans le fait. Les gens, quelle initiative locale, votre préférée là, dans toutes celles que vous avez vues? Les autobus. Il y avait cette initiative à Carrefour Feuilles, qui est un quartier assez chaud auparavant, et il y avait beaucoup de violence. Et il y a eu une initiative locale qui typiquement haïtienne, qui consistait à faire la cueillette des déchets. C'est un grand problème en Haïti. Il y a des déchets partout. Vous l'avez vu à Jacmel, partout les plages sont envahies de déchets. Alors l'idée, c'était de créer des comités et de ramasser ces déchets-là et de faire un triage au centre de la ville. Donc donner de l'emploi à des Haïtiens. Et l'idée, c'était de recycler du carton, du papier, pour faire des briquettes qui servent à la combustion, donc à la cuisson des aliments, tout ça. Et ça répond à la question de la déforestation, parce qu'en Haïti, on coupe beaucoup d'arbres pour faire... parce qu'ils utilisent le charbon de bois pour faire la cuisson. Alors, cette initiative-là était vraiment intéressante parce qu'on répondait à la question de la violence. Quand on donne de l'emploi à des gens, bon, les gens sont moins frustrés, il y a moins de violence. Et au niveau environnemental, c'était hyper intéressant. Et de plus, c'était une idée haïtienne. Alors, l'idée que Nicolas et moi, on a eue, c'était de se dire pourquoi en Amérique du Sud, pourquoi en Inde, par exemple, ce genre de projet-là pourrait pas exister. Ils sont confrontés aux mêmes problèmes. Alors, pour répondre à votre question tout à l'heure, je pense que le projet qu'on a mené visait pas justement encore à dénoncer ou à parler de situations qu'on a beaucoup entendues dans les médias. Je pense qu'il y a un certain aspect positif aussi, puisque les gens... C'est d'aller le rechercher, là-bas. Ça. Ouais. Mais il y a un problème avec toutes ces centaines de millions, ces milliards d'aides internationales qui sont dans le pays. Autant c'est nécessaire, autant c'est presque un frein par moment à la reprise économique, au redéveloppement des populations et des communautés. Hein? Mais encore une fois, c'est pas une logique qui est spécifique à Haïti, malheureusement, mais effectivement, et ça répond aussi à la question de Stéphanie, qui est de lorsqu'on met l'accent sur des initiatives locales qui pourraient être, qui mériteraient d'être mieux connues, ça permet peut-être
d'influer sur ce débat-là, parce qu'il y a beaucoup de projets internationaux qui sont conçus dans les capitales étrangères et qui, lorsqu'ils s'appliquent sur Haïti, créent des conséquences inattendues, comme on dit. Sauf que comment ça se fait que ça se produit encore, ces problèmes-là, quand tous les pays donateurs ont dit, ont répété qu'ils ne feraient pas les mêmes erreurs que dans le passé? Qu'on éviterait ces écueils-là. Est-ce que c'est inévitable, justement? On a dit la même chose après le Rwanda. 94 ans, never again, on l'a entendu souvent. Mais c'est aussi, c'est pas un problème de mauvaise, comment je pourrais dire, de mauvaise intention. C'est ça le problème. Si c'était uniquement de mauvaise intention, ce serait assez facile. Il faudrait juste remplacer les gens. Mais le problème, c'est une logique structurelle également. Puis il y a une limite dans l'action internationale, surtout d'urgence. Il faut bien connaître la société locale dans laquelle on agit. Lorsqu'on la connaît partiellement, puis c'est nécessairement le cas puisqu'on intervient dans l'urgence, on se retrouve en fait avec une société qu'on connaît pas très bien et avoir des effets, on est un peu l'apprenti sorcier, on a des effets qu'on ne sait pas, qui n'étaient pas réellement attendus. Donc par exemple, on a mis l'accent sur le système de la santé privée en Haïti, donc le fait de l'action humanitaire d'urgence en santé. Les docteurs de leur emploi. Prive le système privé, en fait, a même mené à la fermeture de cliniques privées importantes en Haïti. On manque malheureusement de temps, c'est un sujet tellement... Mais juste en conclusion, le nom du projet, c'est Réflexions sur Haïti. Vous, quelle réflexion est-ce que vous voulez que ces capsules-là, qui vont être diffusées là, à la mi-septembre, suscitent chez les gens? Bien, en fait, le but, l'objectif du projet, c'est que à côté de chaque capsule, on souhaite poser une question en lien avec la thématique. Exemple, la thématique de la question de la santé en Haïti, du système de santé. Mon souhait, c'est que des gens intéressants et intéressés participent au débat, des gens d'Haïti, des gens d'ici, des gens de la diaspora, des gens d'ailleurs. Alors, c'est mon souhait pour ce projet-là. Stéphanie Lapointe, monsieur le ministre.